Bonjour à tous, on est avec Fabrice Pastor. Fabrice, c'est extraordinaire. C'est quoi bien. La prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de le finir comme il faut. C'est pas fini, on est dans les finitions qui est la chose la plus longue. Mais très content et bon, avec toute l'équipe ici et tous les... Didier Deschamps, le parrain, qui est un parrain extraordinaire. Christian, qui a fait un travail fabuleux. Christina, ma femme aussi, qui travaille dans le club. Elle adore ça. Et puis tous les invités, les amis qui sont venus. Ljubicic, Johansson, Bjorkman, Marin Cilic, Bela Stegin. Concernant le tennis Padel Soleil, c'est également une académie. Elle va se développer avec des gens en place, avec des joueurs. Tu t'entraînes ici. Comment ça va fonctionner là, dans les prochaines semaines, prochains mois? Bah écoute, on a déjà deux joueurs, Laurent Bensadoun, que tu connais déjà, et Jérémy Ritz, qui maintenant joue et s'entraîne ici. Sébastien Corbelli, qui est entre son club, le tennis Vence, et ici, il va être aussi joueur, j'espère, Bull Padel Monte Carlo. Donc très content de ce côté-là. Laura Claire, que tu connais bien, aussi joueuse, qui va s'entraîner ici quand elle vient. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est un format. Donc il y aura une semaine par mois, Gabi Reka. Oui. Mais en plus de ça, on va renforcer ça avec deux joueurs Monte Carlo International Sport. On en a 21. Deux joueurs qui vont venir 3 jours par mois chacun. Ça veut dire qu'on aura une semaine où il n'y aura pas de joueurs. Mais le restant du mois, il va y avoir 3 joueurs Monte Carlo. Et ça peut être ou les numéros 1, ou les numéros 1 femmes ou hommes, ou Paquito Navarro numéro 2, LeBron, enfin bon, Concepcion, tout ce qu'il y a, et tous les joueurs de la Fabrice Pastor Cup. Donc ça fait que ça sera un club de référence, j'espère, pour le paddle et pour que les gens viennent ici s'entraîner, jouer. D'accord. Est-ce qu'on peut rêver qu'ici sera une étape? Attention à ce que tu dis. Hein. Non, parce que chaque fois que tu dis une chose, on y arrive. Hein. Ah oui. J'ai parlé à une étape de la Fabrice Pastor Cup, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, elle se joue en Amérique latine. Ouais. Mais pourquoi pas ne pas la voir débarquer tout simplement ici, puisqu'on a... voilà. Ben écoute, je crois que la Fabrice Pastor Cup, c'est quelque chose, c'est un produit spécial pour les gens qui ont des besoins et qui ne peuvent pas atterrir ici. C'est pour ça qu'on aide le Chili, le Brésil, l'Argentine. Là, on m'a demandé la Chine, de le faire en Chine. Ouais. Pour l'instant, j'ai dit non parce que... Bon, je vais voir ce qu'ils me proposent. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quelque chose de très spécial pour moi, tu sais. Je vois tous ces jeunes joueurs venir ici. Teio et Chingoto qui ont gagné en Argentine, ils sont déjà numéro 60 mondiaux. Il y a une histoire là-bas. Il y a une histoire. Ah oui, il y a une histoire. Tous les joueurs attendent la Fabrice Pastor Cup là-bas. Parce que c'est le billet pour venir 2 mois ici. Et après, si on voit que c'est des gens sérieux qui s'entraînent, et en principe, c'est comme ça, on les sponsorise, donc ils viennent l'année suivante vivre à Madrid. Ouais. Barcelone, enfin, ils viennent en Espagne. Donc ça leur donne quand même une chance énorme. Alors, la France, oui, mais on est quand même très près de l'Espagne. On est près de tous les tournois européens. La Suède est un peu plus loin. Je suis en train de voir avec Thomas Johansson si on fait une Fabrice Pastor Cup en Suède. D'accord. Ça serait la plus proche, disons, qu'on aurait. Et en France, oui, pourquoi pas. Mais déjà, en France, il y a tellement de joueurs qui vont jouer le World Padel Tour ou qui jouent le circuit catalan ou le circuit madrilène qu'ils ont les moyens, tu vois. Donc, c'est un peu plus pour aider. Je ne dis pas non, par exemple, à un Open. D'accord. Open ici, pourquoi pas. D'accord. Et voir l'année prochaine si on ne revient pas avec le Monte Carlo Padel Master. Ça va dépendre un peu du circuit, pas autant de moi. Ah oui, bah, c'était ma dernière question. Justement, je voulais gratter un petit peu, savoir si on pouvait en exclusivité dire ça y est, on allait proposer l'année prochaine le. On n'y est pas encore. Ah, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. D'accord. Et. C'est pas sûr que. Et... En tout cas, on s'éloigne, malheureusement. Ils ont une idée du sport et moi j'en ai une un peu plus différente. Et on s'éloigne, malheureusement, on s'éloigne. Écoute, c'est la vie, alors, c'est comme ça. Et... Alors, justement, j'ai une question à te poser. Vraiment, je vais être parfaitement honnête. Qui me chagrine, qui concerne le World Padel Tour. Et c'est vrai que je sors un petit peu de ma réserve, mais je le dis. D'ailleurs, il va y avoir un billet par rapport à ça. Comment cela se fait-il, selon toi, que le paddle est en explosion partout dans le monde entier, et à côté de ça,
on voit des étapes où on essaie de gagner un petit peu d'argent. Comment, par exemple, en ne diffusant plus en live des matchs qui ont lieu jeudi, en essayant de raboter sur un certain nombre de tas de sujets, alors qu'à côté de ça, le paddle, justement, est dans une trajectoire assez extraordinaire. En tout cas, qu'elle n'a jamais vécu jusque-là, surtout à l'international. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais te répondre avec une autre question, parce que je ne veux pas répondre directement. D'accord. Comment est-ce possible que des joueurs qui ont besoin de ces sponsors arrivés à jeudi pour jouer en huitième de finale ne sont pas à la télé ? Voilà. Oui, bon, bah, bref, ça a été, le problème, il est là. Alors, à partir de ce moment-là, écoute, c'est pour ça que je te dis que chacun à sa façon de voir le sport. Moi, j'en ai une pour aider surtout les joueurs. Et puis voilà. Puis les autres, je sais pas. D'accord. Bon, tout est dit. Fabrice, je te remercie. Il y a un super match derrière. C'est moi qui te remercie. Comme toujours, c'est moi qui te remercie. Tu fais un super boulot et merci beaucoup pour le padel. Merci à toi, Fabrice. Merci.